Et salut tout le monde, c'est Jacques9. Aujourd'hui c'est jour de mise à jour, on a la 14.60, la dernière mise à jour de la saison qui est dans les fichiers du jeu, qui dit event, dit tout, on a vraiment la totalité de cette fin de saison dans les fichiers du jeu, et on va voir tout cela ensemble dans cette petite vidéo, comme d'habitude pour me soutenir le petit code créateur Jacques9 dans la boutique de Fortnite, ça m'aide énormément. Bref, nous de notre côté on est parti sans plus attendre, donc n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire et un petit like pour toutes ces news croustillantes. On va parler skin. Comme chaque mise à jour, beaucoup de skins ont été ajoutés. Dans un premier temps, c'est la Cup Venom qui aura lieu cet après-midi. Donc il y en a une à 13h jusqu'à 16h. Et on en aura une ce soir dans la soirée. Je vous invite à aller dans l'onglet compétition pour voir l'heure suivant votre région. Comme ça, si vous êtes au Canada, vous avez peut-être des horaires différentes, etc. Vu que c'est la coupe NA Est qui vous concerne. C'est la toute dernière pour la Cup Marvel. Elle vous permettra de débloquer ce superbe skin Venom ainsi que sa pioche intégrée. La pioche ne sera pas vendue séparément ou possible d'être ajouté avec d'autres skins, car elle est vraiment que pour Venom. Voilà, c'est une pioche vraiment que pour Venom. Et on aura aussi une petite emote intégrée au skin, en plus d'un sac à dos. Donc voilà, plutôt sympa ce petit skin Venom. On aura un petit pack justement gâteau, on va dire, donc avec une tarte au chocolat. Alors c'est typiquement américain ça, les tartes au chocolat. Nous on fait plus des gâteaux au chocolat directement. Donc voilà, pourquoi pas un skin basé sur cela. Honnêtement ça passe. Il a un petit sac à dos aussi avec. Et il sera au prix de 2500 V-Bucks. Il aura des pioches au prix de 500 V-Bucks de rareté verte dans la boutique. Et un autre skin sera en même temps dans la boutique vu qu'il a le même pack. Celui-là c'est un énorme épi de maïs qui apparemment a plusieurs stades où justement des cheveux lui poussent et justement du maïs se transforme en popcorn sur la tête. Le skin est assez bien imaginé honnêtement, j'aime beaucoup. Voilà un petit skin qui reprend le design aussi et la forme de la banane. Ce dernier sera à 1200 V-Bucks et de rareté bleue. En autre skin bleu en 1200 V-Bucks, on aura le skin Ice Rider qui viendra avec un petit sac à dos. Donc voilà un petit sac à dos bien sympa, hein, un petit sac à de diamants, plutôt cool. On aura dans la boutique sa pioche qui sera elle au prix de 800 V-Bucks et de rareté bleue. J'ai l'impression que c'est une autre variante d'un skin qui était déjà sorti il y a quelques temps si je me trompe pas, mais voilà, là on a une version un peu glace et hiver, pourquoi pas. On avait un des skins qui était justement dans un des leaks pour un pack et un système d'abonnement assez spécifique. Voilà, donc ce skin là on ne sait pas s'il sortira dans la boutique, mais s'il vient à sortir il sera dans rareté bleue et au prix de 1200 V-Bucks, et bien sûr aura un petit sac à dos, ça vous le saviez normalement déjà pour la plupart. Donc vraiment super sympa ce petit pack. Pour terminer on a un petit skin vert, alors j'ai pas pu trouver de vous d'autres vidéos que celle-ci, voilà pour ce petit skin vert, mais bon ça le montre bien, et comme tous les skins verts il sera à 800 V-Bucks. On enchaîne sur les camouflages. Au niveau des camouflages on a ce petit camouflage vert à 300 V-Bucks qui sera dans la boutique. On aura aussi celui-là qui est un peu plus stylé, voilà, qui ressemble à de la glace vraiment presque fissurée, très stylé aussi, 300 V-Bucks de rareté bleue. On a un premier camouflage animé rare qui sera donc à 800 V-Bucks. Voilà, qui reprend un peu la galaxie de Galactus, un peu ce qu'on pouvait voir justement sur les planches des comics Marvel. Donc plutôt cool, une petite variante à celui de Thor aussi j'ai l'impression. Au niveau des packs justement qu'on pourra retrouver dans la boutique, on a tout simplement un pack pour Benji Fishy, Nikki E. Donc voilà deux packs qui sont assez connus de leur combo de skins favoris. Donc voilà, pourquoi pas, honnêtement j'aime bien l'idée derrière ce pack. C'est plutôt cool de faire des packs pour les influenceurs qui représentent en fait juste les skins qui préfèrent un petit set qu'ils ont fait eux-mêmes. Donc c'est plutôt cool honnêtement. Mais bon, l'intérêt de le faire sur le skin bien suffit que tout le monde a déjà, je ne le vois pas spécialement. Personnellement ce sera pas un achat vu que c'est vraiment le skin par défaut des tryhards. Et en compétition je comprends l'idée, mais la plupart du temps je les croise en MM et ça me casse bien les couilles. Donc voilà à ce niveau là, mais c'est toujours intéressant de savoir qu'un petit pack comme ça va sortir. Et l'avantage c'est que vu que vous avez le tout dans une seule et même offre, vous avez une réduction sur l'ensemble. Donc voilà c'est plutôt cool pour payer cela avec une petite réduction. Une nouvelle variante pour les skins sorciers est disponible, que ce soit pour leur sac à dos ou leur skin. Plutôt cool, une variante du cube. Cette fois-ci après la variante de glace de feu, on a une variante du cube, pourquoi pas. Vraiment sympa ce petit skin qui update au fur et à mesure, ça fait vraiment plaisir à ce niveau là Un event aussi aura lieu. Cet event nous permettra de débloquer un camouflage gratuit. Alors attention, ça ne va pas concerner tout le monde, ça va surtout être pour justement les canadiens. Nous ce sera une autre façon d'avoir pour nos amis canadiens. Si vous avez accès justement à House Party, je crois que House Party c'est l'application un peu de jeu d'Epic Game IRL, enfin en visio quoi.
quoi, vous pouvez débloquer ce camouflage là en liant votre compte House Party et Epic Games. Donc voilà, vous débloquerez ce camouflage là, ça c'est plutôt super sympa. Et maintenant, une autre façon pour obtenir ce camouflage là, ça va être de jouer entre le 20 novembre et le 26 novembre, 2h du matin. En jouant entre ces deux horaires là, vous aurez la possibilité de débloquer ce camouflage là. Il faudra jouer 5 parties avec un ami à Fortnite durant cette période. Donc c'est assez simple quand même, c'est pas la chose la plus compliquée. Et le camouflage vous sera garanti avant le 4 décembre. Donc voilà, normalement le 4 décembre c'est la date maximum à laquelle vous allez pouvoir le recevoir. Cela en fait sert à faire de la promo tout simplement pour l'une des toutes nouvelles fonctionnalités qu'Epic Games va lancer avec cette mise à jour. Cette fonctionnalité c'est en lien justement avec House Party. En gros je vous explique, vous liez votre compte Epic Games et votre compte House Party, vous faites un groupe de personnes sur House Party avec la fonctionnalité Fortnite, et en gros comme vous pouvez le voir sur l'image, vous utilisez votre téléphone pour avoir la caméra, mais la caméra de vos amis sera aussi retransmise sur l'écran, sur le côté du jeu. Donc voilà, c'est une fonctionnalité assez drôle pour pouvoir voir la tête de ses amis avec qui on est en train de jouer. J'attends de voir cela avec impatience, bon personnellement je le ferai pas spécialement hein. Mais voilà, l'idée derrière est assez sympathique et je pense que ça peut plaire à certaines personnes, donc j'encourage le truc hein, honnêtement c'est plutôt cool. Et n'hésitez pas à tester si vous avez la possibilité et à me faire un retour dans les commentaires. Dans les fichiers du jeu on a deux packs de skins encryptés. Le premier est en rapport avec Field Pulse, donc voilà on sait pas trop, ça donne pas spécialement d'informations. Par contre le second est en rapport avec la reine Galaxy, donc voilà Galaxy Queen. Donc je sais pas du tout ce que ça peut être, mais sûrement quelque chose en rapport avec le camouflage qu'on a vu précédemment dans cette idée là un peu de Galaxy et autres. Et bien évidemment avec la royauté hein, parce que ça s'appelle quand même Queen. Donc voilà, au niveau de ces petits packs, maintenant je vous l'avais dit on allait parler de l'event, oui forcément qui dit nouvelle saison dit event de fin de saison la plupart du temps. Et on a tout simplement le nom de l'event qui sera tout simplement le dévoreur de monde. Voilà, l'event s'appellera comme cela. Et en description, il y aura tout simplement défendez l'île pour sauver toutes les réalités. Donc voilà, toutes les réalités, ça porte à croire que justement, bah, tout est menacé hein, et que Galactus va vraiment pouvoir carrément nous laminer la gueule s'il le souhaite. Quelque chose d'ultra intéressant, c'est que tout simplement la taille de l'événement est assez colossale, vu que en gros dans les fichiers du jeu, on a deux fichiers compressés, l'un de 500 mégas et un autre de 790 mégabits. Ce qui veut dire que les deux fichiers réunis, compressés, représentent 1,3 giga. Mais comme je viens de le dire, ils sont compressés, ce qui veut dire que l'event est bien plus gros. C'est l'un des plus gros events qu'on a jamais eu. Pour vous dire, la dernière fois qu'on a eu un gros event, je crois que c'était Travis Scott. Et Travis Scott, à lui seul, faisait la moitié de ce que fait cet event. Autrement dit, cet event est deux fois plus gros niveau stockage, etc., que celui de Travis Scott, et pourtant il est compressé, hein. Il est totalement compressé. Donc c'est ultra intéressant, ça veut dire vraiment que l'event va être massif. Et quand je dis massif, c'est vraiment très big. Attention petit spoiler, donc n'hésitez pas à passer la vidéo si vous voulez ne pas être spoil. Vu que regardez-moi ça, voici la taille de Galactus par rapport à la map de Fortnite. En effet, il sera présent dans votre lobby Fortnite au-dessus du pass de combat en petit hologramme. Voilà, il viendra en fait compléter l'hologramme de la carte, et regardez-moi sa taille comparée à la map de Fortnite. Dites-vous que là il est limite genre à moitié dans le sol, je sais pas comment ils ont fait, il est limite encore dans l'espace et il surveille la map comme cela. On peut même le voir en arrière-plan à travers la fenêtre, voilà derrière l'écran de droite, le troisième en partant de la gauche, on peut voir justement son casque. Actuellement Galactus n'est plus présent, on ne peut plus le voir au loin, mais il ne serait donc ressurgir d'un moment à l'autre en total 3D, vraiment immense hein. Je pense que ça va être vraiment vraiment violent et je suis vraiment impatient de voir comment Epic Games va gérer la chose. Autre chose de super intéressant, c'est qu'on a des lignes de code qui nous ramènent au trou noir. En effet, des lignes de code qui étaient utilisées durant le trou noir, telles que pour le sauver le monde, pour expliquer justement qu'il se passait quelque chose en Battle Royale et que le résultat de sauver le monde n'était pas accessible tout de suite, ont été remis dans les fichiers du jeu. Et quand on voit la taille de Galactus, on a du mal à s'imaginer que même si on gagnait, la map de Fortnite ne serait pas totalement changée. Alors je vous cache pas que je suis giga content, vas-y Galactus, et hey, Team Galactus à fond, explose la map, pète-la, fais ce que tu veux, libre à toi, champ libre. La vérité, pendant l'event, je vais même pas tirer, je vais même pas tirer. Mais je ne pense pas non plus que la map va être totalement changée. Donc voilà que la map va totalement être rayée. Je pense qu'elle va vraiment être fusionnée par rapport avec celle, par rapport à celle qu'on avait avant, encore plus. Donc voilà, vraiment une fusion des deux maps qu'on a connues à l'heure actuelle. Mais par contre, ce qui risque vraiment d'arriver, c'est un système de blackout et de trou noir, comme ce qu'on a eu à la fin de la saison 10, pour préparer la nouvelle saison, c'est-à-dire quelques jours de pause où on n'a plus la possibilité de jouer à Fortnite. Donc voilà, ça c'est assez intéressant. Et voilà les théories qu'on a pour l'instant. En tout cas, on a aussi un nouveau bus de combat, donc voilà, ça c'est plutôt super sympa. Il atteint sa forme maximum. Je ne sais pas si c'est disponible dès maintenant ou si ça va arriver dans les prochains jours, mais voilà, le bus de combat à quoi il ressemblera
pour cette fin de saison. On a aussi eu un petit teaser où justement on peut voir que le skin ou du sac à dos de Travis Scott, ou du moins du skin Afrojack, a été modifié. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela est justement pour préparer l'événement de Galactus? Voilà, peut-être que l'événement de Galactus va refaire voir un peu tous les events, etc. Et vu que c'était la texture qui était aussi utilisée pour justement l'énorme Astro World dans le ciel, peut-être que justement l'Astro World dans le ciel va repasser autour de la map ou va être revu durant cet event. On ne sait pas à ce niveau-là. Et sinon, pour terminer, 3 nouveaux sets sont disponibles aussi dans les fichiers du jeu. Un set circuit, un set corrompu, donc corrupte série, et un set de plateforme. Donc voilà, sûrement une rareté pour tous les skins de plateforme, que ce soit Xbox, PlayStation, Switch ou encore téléphone, ce qui pourrait être intéressant pour faire un peu la différence entre des skins d'offre et des skins qu'on obtient en boutique. Voilà pour cette fin de vidéo de mise à jour, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura été assez complète. La meilleure récompense, c'est de partager la vidéo, si c'est le cas. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Jack by 9, et sur ce, à plus, tout le monde. I can make this show strong. Soon as you hear this foe, from ATLANTAN all the way down to yo bro. Throw up in your mama's ever seen it in a lifetime. Never would have imagined it, not even in her right mind. Practice in front of that mirror, now you doing it on the dance floor. Mad cause I can't get with your chick, just show me how to dance.